Bon, ça fait quoi, 5 minutes que je suis dans le pré là, et vraiment surface. Une 10 francs, 952. Voilà, allez, prochain truc. Bon, ben, je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Il fait beau, mais il fait presque pas chaud d'ailleurs. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Donc, un petit moment après la petite 10 francs coque, là, Giro, Giro, je sais plus comment ça se dit. Dans ce petit trou-là, juste là, une petite manche. Voilà. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un Napoléon. Voilà, c'est ça. Un petit Napoléon. On ne voit pas la date. Ouais, on est en tracé. Hein. Je sais pas, il y a peut-être au nettoyage. Voilà. Allez. Là, une probable petite monnaie, hein. Je pense que ça reste. Voilà, allez, allez, rincer. Allez, prochain truc. Voilà, allez, prochain machin. Bon, ben j'avais rebouché le trou parce que je trouvais pas. C'était pas compliqué, mais en fin de compte, j'avais fait tomber l'objet. Donc en repartant, je suis passé dessus et je l'ai vu. Voilà, alors, on devine un genre de bonne femme devant un espèce de décor champêtre, a priori, hein, avec des arbres et compagnie. Je pense que c'est une petite broche ou quelque chose comme ça en cuivre. Parce qu'on voit une attache de ce côté-là, là. Et je pense qu'il doit y avoir un reste de mécanisme fait de charnière avec une aiguille là. Voilà. Moi, bon, c'est. Ça doit pas être lié. Voilà. Allez, prochain truc. Bon, ben juste là, une petite médaille. Alors elle est très 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 encroûtée. Je sais pas si elle sera, s'il y aura quelque chose à récupérer là-dessus. On verra bien. Allez, voilà. Dans ce petit trou là qui sonnait bien, un nouvel exemplaire de ce que j'ai déjà pas mal trouvé dans ce champ. Alors c'est une Louis, hein. C'est une Louis 16, on devine à peine le profil et on devine l'écu de ce côté là avec la fleur de lys à l'intérieur avec la couronne au dessus. Alors je sais ce que c'est maintenant, c'est un sol à l'écu. Bon, c'est dommage, ceux que je trouve, ils sont quand même pas mal rincés, c'est un peu dommage, mais bon.
Non, dans ce trou profond. Parce qu'il a fallu que j'aille chercher tout au fond. Une petite 5 centimes de peau normalement. Encore de la colle, de la terre collée dessus. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Oula, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. 1854. Voilà, voilà. Allez. Prochain machin. Au fond de ce trou là, une petite savonnette là. Rincer, rincer. Voilà. Allez, prochain machin. Celui-là m'a fait faire un de ces trous, attention. Enfin, allez. Bon, dans ce petit trou là, une petite 20 francs Bazor. 42. Voilà. Voilà, voilà. Allez, prochain machin. Bon, alors là, dans ce petit trou, une petite 5 centimes d'or. Voilà. Allez, prochain machin. Napoléon 5 centimes 50, hop là, m'échapper les doigts, 57. Tiens, c'est la première fois que j'en trouve un 57. Je crois bien que j'en ai pas. Voilà, allez, prochain truc. Dans ce petit trou là, un pont pour 5 centimes tout Toulouse. Voilà, je pense que ça doit être une union latine avec un bateau, mais celle-ci elle est bien éclatée. Voilà, allez au prochain truc. Dans ce petit trou là, là, une nouvelle savo. Alors la couleur, je dirais que c'est un peu de l'eau tabillon. Voilà. On dirait bien un billon, parce qu'elle est plus noire que verte. Il y a de l'argent aussi, noirci. Voilà, allez, plus. Dans ce ridicule là.
C'est c'est encore un sol avec du sang. Dans ce petit trou là là bon pour 10 centimes Union Latine de Toulouse là. Alors bon, elle est pas mal abîmée, elle est tordue et on voit pas grand chose dessus, mais j'ai reconnu le bateau de l'autre côté. C'est la grande sœur de celle de 5 centimes de tout à l'heure. Allez. Dans ce petit trou là, une 5 francs à l'huile, c'est dommage. Elle a bordure abîmée là. Je suis même passé par un qui est mis un pet. Enfin bon, 1949. Voilà, allez, prochain truc. Quasiment en surface, une petite 10 centimes ligne de verre. 1920. Voilà, allez.